Bonjour. Bonjour, bienvenue à la Bibliothèque nationale de France. Au nom de notre présidente, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau festival qui est un peu particulier cette fois-ci, puisqu'en fait, il marque la réouverture des salles, des auditoriums de la bibliothèque après pratiquement 6 mois de fermeture. Voilà, ce programme a été construit par Evelyne Pravidlo autour de Henri Cartier-Bresson, à qui la bibliothèque consacre une grande exposition dans la grande galerie de l'allée Julien Quint, que je vous invite à aller voir. Cette exposition est programmée jusqu'au mois d'août de cette année. Voilà. Pour parler d'Henri Cartier-Bresson aujourd'hui, nous recevons Pierre Assouline, qui a écrit une biographie très documentée sur Henri Cartier-Bresson, que je vous invite à retrouver à la librairie de la bibliothèque, qui est en vente à la librairie. Et il sera accompagné par Nathalie Cohen, qui prêtera sa voix au texte choisi. Voilà. Merci Pierre, merci Nathalie. Et bonne écoute. Merci Frédéric Ramirez. D'abord, bonjour à tous et à toutes. C'est un peu particulier vu le contexte, mais on va s'y adapter. D'abord, je voudrais me faire pardonner mon immodestie, puisque je vais être obligé de parler un petit peu de moi et d'expliquer pourquoi j'en suis venu à non seulement écrire, mais également à réaliser un documentaire sur Henri Cartier-Bresson. Et surtout, quelle a été notre amitié et qu'est-ce que ça a changé par rapport à ce que j'ai pu faire sur lui et sur son œuvre. Car le sujet, bien entendu, c'est lui et son œuvre. On va voir pendant cette heure qu'on va passer ensemble des photos. Ce n'est pas un commentaire illustré de chaque photo. Au contraire, il y a juste quelques photos. Elles ne sont pas très nombreuses, toutes issues de l'exposition que vous avez vue ou que vous allez voir. Et que je vous recommande fortement, mais elles viennent un petit peu en appui. Mais je serai obligé, bien entendu, d'évoquer des photos que je vais décrire, même si ça peut paraître un petit peu ingrat de décrire une photo. La seule chose qui manquera, que vous n'aurez pas, et qui est essentielle pour moi, s'agissant de lui comme de n'importe qui, c'est la voix. La voix, la tessiture, le grain de la voix, les inflexions de la voix, ça dit beaucoup d'un personnage. Je parlerai de sa voix, mais vous ne l'entendrez pas, et pour cause. Alors, d'abord, deux choses. Les textes que Nathalie Cohen va lire ne sont pas du tout extraits de ma biographie. Ce sont des textes extraits de son livre. Il n'a pas écrit de livre, mais il a publié des livres photos. Et puis, il y a eu un livre intitulé « L'imaginaire d'après nature », qui est un petit livre que vous trouverez à la librairie, publié par Fata Morgana, et qui est un recueil de différents textes. Lui qui a écrit très peu de choses, a écrit quelques préfaces, parfois quelques textes très courts. Il aimait envoyer des cartes ainsi par-ci, par-là. J'en ai gardé une ou deux que vous pourrez lire, qu'il m'a envoyées sur des dizaines et des dizaines, parce que, à défaut de la voix, au moins que vous voyez la graphie, la manière d'écrire, qui dit tellement de choses sur une personne. Et ça, ce que vous voyez actuellement, c'est une photo que j'aime beaucoup, parce que c'est un jour, je lui ai demandé son autoportrait, il m'a donné ça. Et ça, c'est tout à fait Henri Cartier-Bresson. C'est-à-dire l'humour, l'ironie, la mise à distance. Et quand je lui ai dit, oui, merci Henri, c'est assez ressemblant, effectivement, comme autoportrait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit, ça veut dire qu'un photographe, c'est ça. C'est quelqu'un qui marche. Et ça renvoie à quelqu'un qu'il aimait beaucoup, dont on va parler, qui est Giacometti, bien entendu. Donc vous allez entendre sa manière d'écrire, qui est très particulière, qui est vraiment celle d'un écrivain classique, lui qui n'a jamais écrit de livre et qui n'a pas fait d'études. Je ferai des allers-retours chronologiques, ça n'a aucune importance. De toute façon, j'improvise, hein. C'est juste un conducteur, mais je préfère improviser pour vous raconter l'homme que j'ai eu la chance et le privilège de connaître pendant 10 ans, et pourquoi j'en suis venu là. Donc, ça, c'est l'autoportrait qu'il a réalisé un jour en reportage en Italie, où il prenait son temps, tout simplement. Deux mots pour vous dire comment j'en suis arrivé à Cartier-Bresson et quand ça a commencé. Pour moi, ça a commencé il y a très longtemps, à l'âge de 16 ans. Quand j'avais 16 ans, pour mon plaisir, je faisais un peu de peinture, et je recopiais des tableaux d'Albert Marquet, notamment.
Et puis, j'ai glissé insensiblement de l'apprentissage de la peinture, mais apprentissage d'autodidacte dans les musées, à la photo au moment où la FNAC a ouvert son tout premier magasin, qui était un couloir, c'est le souvenir que j'en ai conservé, boulevard Sébastopol, ouvert par Essel et Théré. Et pourquoi ça a été un choc pour le garçon que j'étais? Tout simplement parce que c'était la première fois, quand on s'intéressait à la photo, qu'on pouvait voir des appareils réflexes et les toucher dans une vitrine, alors que les magasins qui vendaient les appareils, c'était des magasins vastes où il y avait des vendeurs et il fallait s'adresser à eux. Et là, les appareils réflexes, les Nikon, les AZ Pentax et tout ça de l'époque, étaient à portée de main. Et surtout, on pouvait voir le matériel de laboratoire, ce qui ne se faisait pas. Ça ne s'exposait pas jusqu'à la FNAC. Donc on pouvait voir les appareils pour développer, pour tirer les photos, les produits, etc. Et ça, ça a été un choc pour beaucoup de gens de ma génération qui s'intéressaient à la photo et qui se sont mis eux-mêmes à la photo parce que ça leur disait de manière implicite « La prise de vue, c'est 50% de la photo. Les 50% qui restent, ça se fait au laboratoire. » Et pour moi, il était évident que le laboratoire, il ne fallait pas le confier à l'extérieur, mais le faire soi-même. Donc j'ai passé des nuits et des nuits pendant 4 ou 5 ans à tirer des photos, à gâcher du plâtre, comme disait Simenon lorsqu'il écrivait des romans populaires. Gâcher du plâtre, c'est-à-dire gâcher beaucoup de tirages et beaucoup de produits pour arriver à faire des choses qui tiennent à peu près debout. Et je m'étais vraiment mis totalement dans ce paysage. Et pour moi, à l'époque, bon, il y avait quand même déjà des journaux, comme des magazines, comme Photo, et puis Zoom et quelques autres. Pour moi, il était évident que le photographe, c'était Henri Cartier-Bresson, déjà. Et il était au-dessus de tous les autres. Je ne savais rien de lui. Je m'intéressais à lui, mais je ne connaissais pas sa vie. Je connaissais ses photos, mais il n'y a pas tellement d'expositions. Et il était extrêmement, plus que discret. Et quelques années après, j'ai arrêté de faire des photos, tout simplement parce que je suis passé au journalisme écrit. Et que pour moi, il n'était pas question que l'écrit et l'image se concurrencent, c'était l'un ou l'autre. Et bon, ce n'est pas un hasard si le premier de mes livres, intitulé « De nos envoyés spéciaux », était un livre sur les reporters, à la fois les journalistes écrits et les photographes. Et là, j'ai eu la chance de connaître ce qui étaient les piliers de Gamma, de Sigma, de SIPA, à une époque où les trois agences étaient les trois agences qui tenaient la photo dans le monde, la photo de reportage dans l'ensemble du monde, hein, pas uniquement en France ou même en Europe. Et c'était fascinant de les rencontrer, de les interviewer et parfois de lier amitié avec certains d'entre eux jusqu'à pendant très longtemps. Par la suite, j'ai dirigé le magazine Lire notamment et régulièrement, tous les 3-4 ans, chaque fois qu'il y avait un album publié par Cartier-Bresson, qui n'écrivait pas, je faisais demander une interview et jamais je l'obtenais, tout simplement parce qu'il faisait répondre qu'il ne donnait pas d'interview, ce qui était vrai. Et puis, le temps a passé. Et puis, un jour, au magazine Lire, je vois annoncer Paris à vue d'œil, un nouveau livre de Cartier-Bresson sur Paris. Alors, je fais une demande routinière et j'ai une surprise. Je reçois un coup de fil de Cartier-Bresson. Alors, j'étais très ému parce que bon, je le plaçais tellement haut depuis très longtemps. Et il me dit, écoutez, je ne donne pas d'interview parce que je n'aime pas les interviews, c'est du vol. Mais je vais vous dire pourquoi je n'aime pas ça. Et puis, ma vie n'a aucun intérêt. Franchement, une vie de photographe, c'est rien. D'ailleurs, il avait dit une vie de photographe, comme dit Doineau. Et puis là-dessus, tout en me disant que ça n'avait aucun intérêt, pendant une heure et demie au téléphone, il me raconte sa vie. Et c'était passionnant. Et je n'ai pris aucune note. Aucune note. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Et au bout d'une heure et demie, où il a surtout lui parlé, et moi très peu, je lui ai dit... Écoutez, ça serait bien quand même si on pouvait aller un peu plus loin, vous ne croyez pas? Il me dit, oui, mais vous savez bien, enfin, bon, venez sans magnétophone et sans stylo.
Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, eh ben, c'est simple, je vais vous raconter ma vie et vous allez me raconter la vôtre. Parce que sinon, c'est du vol. Donc, si c'est comme ça, c'est un échange. Il parlait comme ça. C'est un échange, n'est-ce pas? Il parlait beaucoup mieux que moi, mais il parlait de manière aussi rapide. Je dis oui, si vous voulez, si ça vous intéresse que je vous raconte ma vie, avec plaisir. Mais il me dit, bon, alors venez, rue du Mail, j'ai mon atelier, je dessine tous les matins. Venez à 11h, parce qu'avant ça, je vais au Louvre recopier l'arrêt de Chardin. Et je lui dis, tous les jours? Il me dit, oui, tous les jours. C'est mon hygiène. Je dis, bon, d'accord. Je dis, mais quel est votre... Parce que ça faisait une heure et demie qu'on parlait, donc on avait quand même sympathisé un petit peu. Ah, il me dit, j'habite 220 rue de Rivoli, le Louvre est en face, j'ai l'habitude d'y aller, même si c'est fermé, on ouvre pour moi la salle qu'il faut. L'arrêt de Chardin, vous voyez? Je dis, oui, je vois à peu près. Bon, ben, l'arrêt de Chardin, c'est un chef-d'œuvre. J'ai ma canne siège, je m'installe devant, je copie, parce que Goethe l'a dit, dessiner, c'est recopier. Bon, ça m'a un peu estomaqué. Et il me dit, ensuite, je vais à mon atelier, rue du Mail, à pied. Et là, je dessine. Et je lui dis, les photos? Il me dit, ah non, la photo, c'est fini. Ça fait longtemps. Je dis, bon, très bien, de toute façon, moi, je viens pour parler. Et je n'ai pas prononcé un mot d'interview. Je me présente donc chez lui, enfin, chez lui, dans son studio de travail. Et là, d'abord, ce qui m'a surpris, bon, petit studio, très, très correct, très bien, ce qui m'a surpris, c'est qu'il n'y avait pas une photo, pas de photo du tout, quelques livres qui traînaient, mais rien sur les murs. Et je lui dis, vous ne mettez pas de photo, il n'y a rien, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de... Il me dit, oh si, cherchez bien, il y a une petite photo là-bas. Et je vois tout au bout une petite photo de la taille d'une carte postale. Je lui dis, mais elle n'est pas de vous? Il me dit, non, surtout pas. Il me dit, je ne vais même pas m'amuser à mettre au mur une de mes photos. Et je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est une photo qui a été un choc pour moi et que je conserve, je la trouve géniale. Et c'est une photo faite vers 1912. Il y avait une révolution mexicaine, c'était au Mexique. Je ne sais pas qui est le photographe, j'ai oublié. Et on voit un type qui est un révolutionnaire mexicain, les mains bandées dans le dos, un chapeau mexicain. Il est sur un face à un peloton d'exécution, il est contre un poteau, il a un cigare au bec et il se marre. Et il me dit, vous voyez ça, c'est la liberté. Ce type va mourir pour ses idées et il nargue ce peloton d'exécution avec je ne sais pas s'il a un chewing-gum, en tout cas il a une sorte de cigare et il a le sourire aux lèvres. Il me dit, ça c'est pour moi une leçon de vie. Ça, déjà, ça m'a plu parce que ça nous a mis dans l'ambiance. Et il s'est assis et on a parlé. Enfin, on a parlé. J'ai un petit peu parlé. Il a beaucoup parlé, fort heureusement. Je ne vous cache pas que c'est une situation qui m'était déjà arrivée dans ma carrière de journaliste. Donc, de temps en temps, je demandais à aller aux toilettes pour prendre des notes. Ben oui, parce que bon, je ne peux pas se souvenir de tout non plus. Et donc, je notais rapidement des tas de choses de manière. Et puis, je revenais. Et il devait se dire que j'avais un peu une sorte de frénésie. Bon, peu importe. J'en ai resté toute une matinée. À un moment, il m'explique que. Bon, il part dans tous les sens, mais c'était formidable. Un feu d'artifice. À un moment, il m'explique, il me dit, mais de toute façon, ne me parlez pas de technique. Moi, la photo, je m'en fiche complètement. Ça ne m'intéresse pas, la photo. Les gens qui vous parlent technique, il faut les fuir. La technique, vous l'avez une fois pour toutes, et après, ça devient un réflexe naturel. Mais les gens qui vous parlent des objectifs, des focales, des profondeurs de champ, de telles pellicules, est-ce que la Trix est meilleure que l'Ilford ou pas? Il me dit, mais on s'en fout. Il me dit, moi, j'ai deux boîtiers, j'ai un 35 mm et un 50 mm, et basta, je fais le tour du monde avec. Ce qui était vrai. Il me dit, ça suffit. Il ne faut surtout pas mitrailler ni rien. Et puis voilà, il me dit, et tout ça, toute cette technique que vous avez apprise, si vous l'avez apprise un jour, elle ressort naturellement quand il le faut. Et à un moment, il me dit, même l'appareil, ça n'a aucune importance. Pour faire des photos, on n'a pas besoin d'appareil. Je dis, là, vous poussez un peu quand même. Et il me dit, non, la photo, c'est cosa mentale. C'est cosa mentale. D'ailleurs, je viens d'en faire une.
J'ai dit, ah bon? Quand? Il me dit, maintenant. J'ai dit, ah bon? Mais de qui? Il me dit, mais de vous. J'ai dit, et qu'est-ce que vous avez fait comme photo? J'avais mis mes lunettes, moi. Il me dit, la barre de vos lunettes? Là, j'ai fait un portrait, il me dit. Cosa mentale? J'ai fait un portrait, il y a vous, et la barre de vos lunettes est exactement parallèle à la barre de la photo qui est derrière vous, qui est encadrée, et la photo du cadre, ça fait deux barres. Et là, j'ai commencé à comprendre l'homme que je vais beaucoup mieux comprendre par la suite. Et à ce moment-là, alors je vais d'ailleurs, voilà, j'ai fait l'entretien. J'ai fait l'entretien. Quand je l'ai quitté à ce moment-là, je lui ai dit, vous savez, monsieur Cartier-Bresson, je suis venu pour un entretien. Donc, il me dit, écoutez, vous n'avez pas pris de notes, vous n'avez pas enregistré, c'est parfait. Maintenant, faites votre entretien comme vous voulez, écrivez-le comme vous le sentez, on verra bien. Je l'ai écrit grâce à mes notes souterraines, si je puis dire. Et à la suite de ça, il m'a écrit, donc vous voyez, c'était en 99. Il est mort 10 ans après, je crois. Oui, 10 ans. Non, c'est pas 99, c'est 94. 94, je lis mal, pardon. Il est mort 10 ans après. Et c'est 198 rue de Rivoli, non pas 220. Bon. Pourquoi je vous mets ça? C'est parce que, d'abord, ça, pour moi, ça a été un sésame par la suite, parce que c'était une approbation. Lui qui ne donnait pas d'interview, il avait accepté 5 pages dans le magazine Lire, avec c'était questions-réponses. Ensuite, parce que vous avez sa graphie, c'est très important. Il était fâché, même si ça ne se voit pas trop là, il était fâché avec la ponctuation. J'ai beaucoup de lettres de lui, parce qu'il envoyait des lettres, il envoyait beaucoup de cartes postales, qui étaient des photos de lui, en carte postale. Il m'en a écrit beaucoup. Et puis des fax. Et il envoyait beaucoup de fax en sachant pertinemment que ça s'effaçait par la suite. Ça ne se conservait pas, sauf si on le photocopiait d'un instant, ce que je ne faisais jamais. Donc j'en ai perdu beaucoup. Il adorait le fax, comme un jouet. Mais par la suite, les années suivantes, il écrivait encore comme ça, mais il ne mettait plus d'accent et plus de ponctuation. Puis il disait, la ponctuation, c'est un carcan. Il faut se débarrasser du carcan. Et donc, il n'hésitait pas à s'en débarrasser. Là, je vois qu'il y a encore des accents et des... Enfin, bon, c'est un accident. Pourquoi j'ai choisi cette photo? Parce que, au cours de notre entretien, donc, qui a été publié, à part la photo qu'il a prise de moi, il y a eu un moment qui était important pour moi. C'est qu'à un moment, je lui dis, à propos de la guerre, comment vous l'avez vécu? Et il me dit, la guerre, ben, écoutez, je me suis fait prendre aux pattes en 40, comme d'autres. J'ai été prisonnier et je me suis retrouvé prisonnier dans un stalag. Et ça a duré toute la guerre pour moi, pratiquement toute la guerre, sauf la dernière année. Je me suis évadé 3 fois. La troisième a été la bonne. J'ai pensé qu'à m'évader, qu'à ça. Et je lui dis, mais c'est important pour vous la guerre? Et là, il a commencé à réfléchir. Et sans faire exprès, j'ai touché à quelque chose de profond. C'est-à-dire qu'il s'est mis à pleurer. Pas à chaudes larmes, pas du tout, mais une larme a coulé. Et une deuxième, la voix s'est un peu étranglée. Il m'a dit, la guerre, pour moi, c'est là que je suis né. Bon, il n'avait pas 18 ans, il avait plus que ça. Mais il m'a dit, c'est là que je suis né, parce que ce que j'ai vécu au Stalag, il me dit, attention, hein, vous êtes jeune. Je dis, non, mais j'ai écrit des trucs dessus. Il me dit, bon, le Stalag, ce n'est pas le camp de concentration et ce n'est certainement pas le camp d'extermination. Il me dit, ça n'est que le Stalag. Mais au Stalag, j'ai eu des amitiés. Et ça, je n'oublierai jamais. Certains sont morts. D'autres sont restés des amis, comme Alain Douarinou, qui est devenu chef opérateur dans le cinéma par la suite, et avec qui il s'est évadé, comme Raymond Guérin, l'écrivain, qui a écrit Les Poulpes, un des nombreux livres que Henri m'a offert par la suite. On s'est offert des livres pendant des années, mais il y avait un jour, il m'a acheté Les Poulpes, et il m'a dit, voilà, c'est Raymond Guérin, qui était avec moi au Stalag.
Il en a fait un roman qui est le grand roman sur la vie des prisonniers. Et il me dit, on est toute notre bande de copains, on est dedans, mais chacun sous un pseudo. Il me dit, ne cherche pas qui je suis, je vais te le dire tout de suite. C'est Bébé Cadom. Parce que Henri, quand il avait 30 ans, il était très grand, très très grand, 1m90, très mince, une élégance naturelle, glabre, imberbe, des yeux bleus, blond, blondiné, était très beau. Et ben, spontanément, son copain de Stalag l'avait surnommé Bébé Cadom, qui était une publicité de l'époque. Et de voir cet homme, comme ça, évoquer la guerre, puis après, on a parlé d'autre chose. Et puis, à un moment, une heure après, on est revenu à la guerre. Et à nouveau, il m'a parlé de l'amitié, de ce que c'est, pardon de l'expression, mais de chier à côté de ses copains dans des chiottes collectives et de s'entraider pour tout, en permanence, des milieux sociaux de toutes origines. Il m'a dit, voilà, j'ai appris la vie, là. J'étais un fils de grand bourgeois et c'est là que j'ai découvert la vie, ce que c'est que d'être un homme, tout simplement. Et quand il m'en a reparlé, une heure après, à nouveau, la voix s'est étranglée. Et pendant les 10 ans que notre amitié va durer, pendant ces 10 années, on a parlé de mille choses. À chaque fois qu'on parlera de la guerre et du Stalag, à chaque fois, son émotion sera telle, lui qui maîtrisait tout en permanence, elle sera telle qu'à chaque fois, il sera au bord des larmes. Donc je ne pouvais pas ne pas le dire. Et je voulais l'illustrer donc par cette photo. Il y a pas mal de photos de la guerre, mais je n'ai pu prendre que des photos qui sont extraites de ce livre, Le Grand Jeu, donc, qui est celui de l'exposition. Donc cette photo a été prise à Dessau, en Allemagne, en mai 1945. Et je la trouve exemplaire. Pourquoi ? Pour deux ou trois raisons. La première, c'est que, bon, on va reparler de l'esprit de géométrie d'Henri Cartier-Bresson. Et là, l'esprit de géométrie, vous l'avez, pourquoi ? Parce qu'il y a, et c'est lui qui me l'a expliqué, parce que la première fois, ça ne m'était pas apparu, il y a une diagonale invisible entre le regard du déporté en haut à gauche et le regard de l'interrogateur en bas à droite. Si vous tracez une ligne entre ces deux regards, ça fait une diagonale parfaite, qui est la composition de beaucoup de tableaux. Et bien entendu, vous avez beaucoup de choses. Vous avez des habitants de la ville de Dessau, vous avez des déportés, vous avez des commissaires politiques, vous avez des capots, il y a tout. Il y a toute la libération des camps dans l'Allemagne de l'après-guerre qui est présente. Et puis vous avez la violence exercée contre celle qui exerçait la violence. C'est une photo très très forte, très très forte, et je l'analyse comme ça parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais surtout c'est comme ça qu'il a tenu à m'en parler. Une chose encore à propos de cette photo, c'est une photo qu'il a faite parce que il a voulu repartir en Allemagne à la libération. Comme je vous l'ai dit, la troisième évasion a été la bonne, donc il était à Paris pour la libération. Il a fait des photos de la libération de Paris. Et quand on a su que la guerre allait se terminer, donc des mois et des mois plus tard, hein, puisque la libération, c'est août 44, et la fin de la guerre, c'est mai 45, entre les deux, on a annoncé progressivement la libération des camps de concentration. Donc, il a voulu y retourner. Mais il a dit, j'y retourne pour faire un film. C'était pour la propagande, pour les anciens combattants, bien entendu, et pour le ministère de la Défense de la guerre, en tant que caméraman, comme il avait fait pour l'Espagne quelques années auparavant, du côté des républicains espagnols. Mais il a dit cette fois, je veux aussi pouvoir faire des photos. Parce que la guerre d'Espagne, si importante pour lui, qui était antifasciste, il l'a faite entièrement avec une caméra pour filmer à la main un film de propagande, qui est un film extraordinaire, qu'on peut se procurer hein, sans problème, mais pas de photos. Et les photos de la guerre d'Espagne, c'est Robert Capa, son ami.
Et à chaque fois qu'il m'en parlait, il me disait, tu vois, ça, c'était une erreur de ma vie. Non pas de me mettre au service des républicains, bien sûr, je ne regrette pas, mais j'aurais dû aussi faire des photos et j'avais pensé qu'il fallait ne faire qu'une seule chose, le combat politique avec une caméra à la main, mais pas des photos. Il me dit, résultat, c'est Robert, c'est Capa qui a fait les grandes photos de la guerre d'Espagne. Donc, quand il est retourné en Allemagne en 1945, là, ça l'avait servi de leçon, et il a dit, cette fois-ci, j'emmène le Leica, plus de quoi filmer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette photo-là, vous l'avez aussi dans le film, mais filmée. C'est-à-dire qu'on voit tout le démontage de cette photo, ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après. Et ça, c'est intéressant, parce que il y a les deux aspects de la chose. Ce qui est important, c'est que de la guerre, il a conservé un culte de l'amitié qui lui est propre. Et ce culte de l'amitié, je pense qu'on va l'entendre maintenant dans un des textes qu'il a écrit à la gloire de son ami Giacometti. Ce visage buriné, dont les expressions ne varient guère, tellement le masque est surprenant, on n'est pas sûr même qu'il vous ait écouté. Mais quelle réponse ! Toujours juste, profonde, personnelle, sur les sujets les plus variés. Giacometti est un des hommes les plus intelligents et lucides que je connaisse, d'une honnêteté sur lui-même et sévère sur son travail, s'acharnant là où on éprouve le plus de difficultés. À Paris, il se lève vers 3 heures, va au café du coin, travaille, vadrouille à Montparnasse et se couche au jour. Annette et sa femme. Les ongles de Giacometti sont toujours noirs. Il n'est cependant pas débraillé, pas la moindre affectation. Il ne parle guère de sculpture avec d'autres sculpteurs, sauf avec un de ses amis d'enfance, Pierre Josse, banquier et sculpteur, et Diego, son frère. Ce fut une joie pour moi de savoir qu'Alberto avait les trois mêmes passions que j'ai, Cézanne, Van Eyck et Uccello. Il m'a dit des choses si justes sur la photographie, l'attitude qu'il faut avoir, et aussi sur la photo en couleur. En parlant de Cézanne et des deux autres, il disait avec admiration « Ce sont des monstres ». Son visage a l'air d'une sculpture qui ne serait pas de lui, sauf les sillons des rides. La démarche très personnelle, un talon se pose très avant. Peut-être a-t-il eu un accident, je ne sais, mais la démarche de sa pensée est encore plus curieuse. Sa réponse va bien au-delà de ce que vous avez dit. Il a tiré un trait, additionne et ouvre une autre équation. Quelle vivacité d'esprit! Le moins conventionnel et le plus honnête qui soit. À Stampa, dans les Grisons, à 3 ou 5 kilomètres de l'Italie, il y a la maison de sa mère, qui a 90 ans, vive et intelligente, qui sait arrêter son fils quand elle sent qu'un tableau qui lui plaît est à point. L'atelier de son père est une ancienne grange. Il y travaille l'été. L'hiver, il se calfeutre dans la salle à manger. Son frère, Diego, ou lui, téléphone de Paris chaque jour à leur mère. Diego est d'une modestie extrêmement rare, très réservé. Alberto a une grande admiration pour les dons de sculpteur de Diego. Il fait de très beaux meubles et fond les sculptures d'Alberto. Plusieurs fois, Alberto m'a dit « Le sculpteur, ce n'est pas moi, c'est Diego. » L'hôtel du village est la maison où est né son père. Elle appartient à sa cousine et l'épicerie y est tenue par une autre cousine. Voulant lui payer les pommes qu'il a achetées pour peindre, elle lui dit « Ça dépendra du prix que tu vendras ton tableau. » Alberto m'a dit qu'il était ennuyé, qu'il faisait trop à la fois. Des pommes, des paysages, des portraits, et qu'il devrait se concentrer sur deux sujets. C'est merveilleux, ce sens de l'économie, qui est la mesure du goût. Ces vernissages sont de grands événements. Mais pour lui, un sujet d'angoisse. Il dit, je dois sortir tout ce que j'ai à telle date et le montrer et dire... Voilà où j'en suis. Encore l'honnêteté. Avec tout cela,
Son travail donne l'impression d'être cul et chemise avec la beauté. Chez Alberto, l'intellect est un instrument au service de la sensibilité. Dans certains domaines, sa sensibilité prend de curieuses formes. Par exemple, méfiance de tout laisser aller affectif avec les gens. Enfin, ça ne regarde pas Queen's Readers, pas plus que des descriptions d'Alberto prenant son café au lait, au lit. Suffit, c'est mon ami. Cette image a été prise rue d'Alésia et vous en voyez tout de suite l'évidence dans l'œil de Cartier-Bresson, c'est-à-dire l'homme qui marche. L'homme qui marche, c'est l'artiste lui-même, et puis les deux troncs d'arbres, la ligne au milieu. Cartier-Bresson, c'est un géomètre, et on va y revenir un peu par la suite. Giacometti, pour lui, c'est le plus grand. Il y a beaucoup de monde dans le panthéon littéraire et artistique de Cartier-Bresson, mais il y a aussi des contemporains, des vivants. Il est entouré de peintres et d'écrivains, un peu de photographes aussi, bien sûr, mais surtout de peintres et d'écrivains. Parmi les peintres, Sam Zaffran et Avigdor Harica étaient des familiers, et aussi Raymond Mason. C'était les trois artistes qu'il voyait très souvent, avec qui j'ai eu la chance de déjeuner ou dîner chez Henri et Martine très souvent, parce qu'ils faisaient partie du premier cercle. Mais de tous ceux qu'il avait connus, et il ne faut pas oublier, il a fait des portraits de Braque, de Bonnard, de Miro, de Calder, d'innombrables artistes, Giacometti est celui avec lequel il a entretenu une véritable amitié profonde. Un souvenir me revient comme ça. Un soir, je dînais seul chez Henri, qui était seul aussi, parce que quand Martine partait en reportage en Irlande ou ailleurs, elle me disait « il ne le laisse pas seul ». Donc, de temps en temps, soit il venait chez moi, soit j'allais dîner chez lui. Et on avait beaucoup bu. Et on parlait, on avait beaucoup bu. Il savait que je n'étais pas un admirateur de ses talents de dessinateur. Bon, et je ne l'ai jamais caché. Je lui disais toujours, comme photographe, tu es unique, comme dessinateur, tu es un parmi d'autres. Et je lui avais dit, parce que bon, il était entouré aussi de gens qui n'arrêtaient pas de faire des préfaces pour dire que c'était un immense dessinateur. Et je lui dis, tu sais très bien, je dis que tu ne serais pas exposé au MoMA, comme c'était le cas, si tu n'étais pas le Cartier-Bresson de la photographie. Ça ne l'enchantait pas, mais en même temps, ma franchise, je pense, lui plaisait parce qu'il me l'a souvent dit. Et cette nuit-là, parce que c'était vraiment la nuit, on était quand même assez bien partis, on se met à parler de dessin, etc. Et je lui dis ça. Et je lui dis, tu as vu quand même ce qu'a écrit tel de tes amis, conservateur de musée, etc., qui dit que tu es un génie du dessin, etc. Il me dit, mais non. Je lui dis, ben oui, mais il l'a écrit dans un catalogue à ton nom. Et à ce moment, il se lève, il va dans la bibliothèque et il ramène un grand livre de Giacometti, de dessin de Giacometti. Il me dit, viens voir. Et il tourne les pages. Il me dit, tu vois ça? Ça, c'est le génie à l'état pur. Moi, c'est rien. Il me dit, écoute, moi, quand je dessine, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je fais un trait comme ça, je fais un trait. C'est laborieux. Et on verra toujours l'effort. Giacometti, quand il dessine, c'est et c'est fait. Il me dit, je ne serai jamais un dessinateur, je le sais. Il me dit, surtout quand on a eu la chance d'être l'ami de quelqu'un comme ça. Il y a une chose qu'il m'a souvent dite aussi, et c'est drôle parce que c'est une phrase que m'avait dite Julien Gracq un jour dans une conversation. Les deux, qui étaient à peu près du même âge, ont été tous les deux des jeunes surréalistes vers 18-20 ans. Et tous les deux ont eu la même expérience. Ils ont eu le réflexe spontané d'aller au café de la Place Blanche où les surréalistes se réunissaient. Et tous les deux m'ont dit, mais attention, hein, je ne prenais pas la parole. J'étais un gamin, j'étais en bout de table, je me taisais et j'écoutais et je buvais les paroles de Breton et des autres. Et la même phrase qu'ils ont eue tous les deux, et quand je leur ai dit à l'un et à l'autre, ils n'étaient pas étonnés. C'est
quand on a été surréaliste à 20 ans, on le reste toute sa vie. Et il me l'a souvent répété. Il me dit, tu sais, bon, je suis surréaliste, pas un métier, hein, voilà, j'étais là-dedans, etc. Mais il me dit, je le suis resté. Même s'il a eu une période en tant que photographe dans les années 30 où il a été au Mexique et il a fait ce qu'on a appelé par la suite des photos rattachées au surréalisme, d'une manière ou d'une autre, par un univers, par une manière de, par une vision du monde, une sensation du monde, lui estime qu'il est resté jusqu'à la fin de ses jours. Cette photo, prise à Livourne en 1933, elle témoigne de ça. Elle n'est pas du tout préparée. Je précise à cette occasion qu'il n'a jamais préparé une photo. Il m'a toujours dit, je suis contre préparer quoi que ce soit, ça ne se fait pas, voilà, ce n'est pas ma façon de faire. Je l'ai fait deux fois. Il me dit, il n'existe que deux photos dans les milliers de photos de moi, tu ne peux pas en trouver d'autres, où j'ai arrangé un peu la réalité. L'une, c'est une photo prise au Mexique, où on voit juste une sorte de nature morte avec des vieilles chaussures, et voilà, des vieilles chaussures de femmes. Elle est très connue, cette photo, et en fait, il y a deux chaussures de femmes, avec, quand les talons se rejoignent, en fait, comme ça, ça forme un cœur. Il me dit, elles n'étaient pas comme ça. Alors, en faisant ça, ça faisait un cœur, je trouvais ça bien. Et il me dit, mais j'ai eu honte, j'ai truqué la photo. Je dis, bah, ça, c'est vraiment pas très grave comme trucage. Il ne faut pas exagérer, on en connaît d'autres. Et la deuxième, je lui dis, la deuxième photo, il me dit, c'est à la même époque. J'étais dans la rue avec quelqu'un qui était un ami à l'époque, qui était un jeune et très beau d'ailleurs, poète américain, qui s'appelait, je crois, Ford, Charles Ford, si je me souviens bien. Et il me dit, on s'arrête dans la rue parce qu'il voulait pisser. Et donc, il rentre dans une Vespasienne et je l'attends. Et quand il sort de la Vespasienne, il reboutonne sa braguette en soupirant avec un grand sourire de soulagement. Et il me dit, en fait, j'ai fait la photo et j'avais attendu qu'il sorte pour la faire parce que j'avais remarqué qu'il y avait une publicité sur la Vespasienne où il y avait, pour les bonbons créma. Et il y avait marqué, il y avait un bonbon et il y avait une langue qui sortait. C'est le grand dessin d'une langue. Et il y avait marqué, n'hésitez pas à lécher. Il me dit, c'était une pub de l'époque, mais la juxtaposition de cette image, enfin de cette pub, et Charles Ford, qui sort avec cette espèce de sourire comme c'est un peu angélique et qui se rebraguette, il me dit, c'est irrésistible. Il me dit, j'ai vu ça, oui, je vais l'attendre. Et c'est ce qu'il a fait. Il me dit, c'est mes deux trucages. Je le dis parce que très longtemps après, quand a éclaté le scandale de la photo de l'hôtel de ville, des amoureux de l'hôtel de ville de Robert Doisneau, je trouve que j'étais chez lui, à prendre de bavarder avec lui, et je lui avais dit, t'as vu dans Libé ce matin, il y a toute une histoire sur ton copain, parce qu'ils sont très très liés. Il adorait Doisneau, il l'adorait. Il me dit, ah non, ne m'en parle pas. Je dis, non, mais c'est entre nous, je ne vais pas l'écrire. Mais c'est quand même, c'est un trucage, cette photo qui passe pour la plus naturelle qui soit, et qui est iconique, c'est peu qu'on puisse dire. Il me dit, je ne peux pas parler de ça. Parce que c'est tout ce qu'il détestait dans la photographie. Et en même temps, il n'était pas question qu'il ait un commentaire négatif sur quelqu'un qui était son ami. La peinture a beaucoup compté, c'est évident, en tant que la littérature. La peinture, ça a été son université. C'est là qu'il a appris la photo. Il disait toujours, il n'y a pas d'école de photo. Il me dit, je sais que ça existe, mais on n'enseigne pas la science du petit doigt. C'était son expression. J'ai dit non, mais enfin, il y a la technique. Il me dit, ah, basta avec ta technique, oublie. Donc, voilà, il me dit non. Il me dit, moi, j'ai appris la photo à l'Académie Lott. Académie Lott, c'est celle d'André Lott, le peintre. Et il y a été de 20 ans à 23 ans, à peu près, 3 ans d'apprentissage de la peinture, parce qu'il voulait être peintre. Donc, le dessin, la peinture, la composition. Et ça, avec, en plus, tous les jours, des visites au Louvre et dans d'autres musées pour éduquer son regard. Eh bien, avec le recul, on peut le dire, c'est là qu'il est devenu photographe. Parce qu'il a emmagasiné
dans sa mémoire rétinienne, et non pas sa mémoire cérébrale, il a emmagasiné des milliers et des milliers d'œuvres d'art, peinture, sculpture aussi, mais surtout de la peinture, de toutes les époques, de toutes les écoles. Et par la suite, ces photos, très souvent, seront la projection au millième de certaines œuvres d'art. Et on en reparlera à un moment. La peinture, pour moi, quand je pense à Henri, ça a été deux choses, deux voyages qu'on a fait. D'une part, un voyage à Londres pour une exposition Cartier-Bresson. Il m'a emmené avec lui et avec Martine, on a été pour cette expo. C'est assez drôle parce que Londres était tapissée de publicité pour la grande exposition du moment, Cartier-Bresson. Et on quitte l'hôtel et on va dans ce musée, dans plein Londres. Et le type à l'entrée, qui est le portier, très, très English, dit à Henri, vous ne pouvez pas rentrer. Il dit, ah bon ? Il dit, non, vous ne pouvez pas rentrer, monsieur, parce que vous avez un appareil photo avec vous. Et il avait son Leica sur lui, comme ça. Il dit, oui, mais il dit, je le quitte. Il parlait très bien l'anglais. Il dit, mais je ne quitte jamais mon Leica. Il dit, ah oui, mais vous n'avez pas le droit. Bon, ben, alors je lui dis, mais dis-lui qui tu es. Il me dit, non, non, non. Il a laissé son Leica. Et il y avait une autre expo à côté, c'est l'exposition Bonnard. Et on l'a visitée à deux. On a eu la chance de la voir, elle était fermée, on a pu la voir. Et voir les tableaux de Bonnard qu'il avait photographiés en 1944. Voir les tableaux de Bonnard racontés par lui, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. Et l'autre souvenir que j'ai, c'est un voyage à Budapest. Parce que là, il y avait une grande exposition Cartier-Bresson, au Musée des Beaux-Arts. Et on a été ensemble. Bon, c'était assez drôle parce qu'il m'avait dit « Tu avais un Leica quand tu faisais des photos ?» Je dis « Oui, mais c'était il y a très longtemps. » Il me dit « Emmène-le. » Je dis « Non, mais je ne vais pas faire des photos à côté de toi. » Il me dit « Non, mais emmène ton Leica, on ne sait jamais. » Alors, j'emmène mon Leica. Je n'avais pas fait des photos depuis très longtemps. Et puis... on va au Musée des Beaux-Arts et avant tout, je devais faire une conférence. Je devais faire une conférence voilà, dans le cadre du musée sur Cartier-Bresson. Et il me dit, je peux venir ? Je dis, évidemment. Alors, c'était bourré, et il rentre et il se met avec les autres. Et personne ne le reconnaît. Et il avait sa casquette. Hein. Et il se met avec les autres. Et trois quarts étaient des photographes. Vous savez que la Hongrie et la photo, c'est une histoire particulière. Il y a beaucoup de grands photographes européens sont d'origine hongroise. Et il était ravi, parce qu'il était là incognito. Et lui, il veut toujours être incognito partout. C'est pour ça qu'il détestait qu'on le photographie. Et il pouvait être très violent dans ces moments-là. Et donc, il était là incognito. Et je commence à faire ma conférence. Et je parle de lui, etc. Et de temps en temps, il fait comme ça. Et les autres écoutaient, voilà. Bon, il y avait des questions. Et puis à un moment, je dis, mais de toute façon, il faut bien vous dire une chose, parce que là, vous me parlez de technique, mais on s'en fiche de la technique, parce que j'étais imprégné par lui. Comme la plupart des biographies que j'ai faites, je suis imprégné par mon héros et je me prends pour lui. Et donc, je parlais comme lui, de manière naturelle. Et j'ai dit, d'ailleurs... Ça n'a aucune importance, l'appareil photo. On peut très bien s'en passer. La photo, c'est cosa mentale. Et je leur explique ça. Et à ce moment-là, tous, ils font des soupirs en disant « Mais non !» Enfin, et lui. Et ils ont commencé à comprendre. Quand c'est terminé, il est venu me féliciter. Et Martine a vite fait une photo. Martine Franck a vite fait une photo de nous deux en train de rigoler. Et là, ils se sont dit « Ah, mais il y a peut-être il y a peut-être un rapport entre les deux. » Parce qu'il n'avait pas un physique spécialement reconnaissable, surtout planqué d'ailleurs. Et l'autre chose de ce voyage, il y a deux anecdotes, hein, ce voyage à Budapest qui était très très intéressant, en tout cas pour moi, c'est qu'à un moment, il dit « Et si on allait visiter le quartier juif ?» Je dis « Ah ben oui, ça m'intéresse. » Et la grande synagogue est une sorte de cathédrale. Enfin. Et donc, et puis, il me dit, moi, je reste dans la voiture. Je rentre pas dans la synagogue. Je dis, pourquoi ? Il me dit, tu sais bien que je suis athée. Je dis, d'accord, mais on ne te demande pas de te prosterner.
tu peux m'accompagner, je veux voir. » Il me dit, « Non, 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 je reste dans la voiture avec le chauffeur. » Je lui dis, « Mais... » Il me dit, « Ils ne vont pas te laisser rentrer avec ton appareil. » Il me dit, « Alors, il me dit, tu me le confies. » Et à ce moment-là, il a pris le Naïka sur ses genoux, il était assis, comme si c'était un bébé. Et il avait là comme ça, il me dit, « T'inquiète pas, je le garde. » Et voilà. Et puis, je vais avec Martine visiter la synagogue. Et à un moment, au bout de 20 minutes, j'entends des cris. Et qu'est-ce que je vois ? Henri, qui était rentré dans la synagogue avec l'appareil photo, ce qui était interdit, et poursuivi par le gardien de la synagogue, qui lui parlait en hongrois, en lui imposant de faire ce que les autres touristes faisaient, à savoir laisser son appareil photo, ce qu'il ne voulait pas, et mettre une kippa, ce qu'il ne voulait pas. Lui, qui avait une casquette, ne voulait pas se couvrir la tête. Et je lui disais, « Henri, mais qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit, ben, « J'ai voulu rentrer pour voir. » Et il me casse les pieds. Je lui dis, « Oui, mais... » Et il me dit, « Ah, il n'y a pas question. » Il me dit, « Moi, je sais bien que je suis bouddhiste, et donc ce n'est pas une religion, c'est une philosophie, c'est un chemin. » Je lui dis, « Non, mais ça va, ce n'est pas le sujet. » Et je lui dis, « C'est obligatoire. » Par respect pour le lieu, les gens, on se couvre la tête, on met une kippa. Il me dit, je ne vais pas mettre une kippa, c'est ridicule. Je dis, non. Bon. Il ne voulait pas laver. Et l'autre l'a poursuivi pendant toute sa visite. Et Henri, imperturbable, a visité ce qu'il voulait visiter. Et à la sortie, le type le suivait. C'était un type, tout petit bonhomme. C'était très marrant comme scène, le très grand et le petit. Il continue à le poursuivre. Et au moment de sortir, Henri se retourne vers lui, il fait un grand sourire et il met sa casquette. Il se couvre le chef. Il ne fallait pas l'obliger. On n'oblige pas. Voilà. C'est quelqu'un qui est tellement attaché à sa liberté qu'il n'était pas question de le forcer à quoi que ce soit. Ça, c'est une photo que j'ai choisie comme ça, parce que je trouve qu'elle est très belle, elle est très forte, la sortie de l'Académie française. Parce que là encore, il y a une construction, comme toujours, qui est magnifique. Je ne sais pas, elle m'émeut, elle m'amuse aussi. Elle m'émeut parce que je regarde le regard des gens sur la gauche. Il y a les trois éléments. Vous voyez, il y a la population, les gens. Il y a ce personnage qui est issu du 19e siècle et qui est habillé comme au 18e siècle. Et puis, il y a la voiture qui représente la modernité. Voilà, moi, ça me... C'est une composition admirable. Mais comme vous imaginez, elle n'a pas été composée, si ce n'est de manière fulgurante, par son regard. Alors, j'ai choisi quelques portraits pour bien vous montrer à quel point le portraitiste en Cartier-Bresson est un peintre. Malraux, en 1968, au ministère de la Culture, à son bureau. Bon, le bureau, les lambris, les honneurs, tout ça est derrière, mais c'est important. Le plus important dans cette image, pour moi, c'est le nombre d'or. Le nombre d'or, qui est l'éducation visuelle de Cartier-Bresson, vous allez le retrouver dans la plupart de ses photos, des portraits notamment. En 1932, il a fait une photo d'un bourgeois sur l'avenue du Prado à Marseille. Il avait acheté son Leica d'occasion quelques semaines avant. Donc il démarrait, il commençait à peine. Et déjà, dans cette photo de ce bourgeois de Marseille, il y a le nombre d'or, il y a tout ce qu'il faut. Et là aussi, et ça, c'est l'Académie Lotte, c'est l'éducation du regard. Alors ça, bon, ce n'est pas la photo la plus gaie qu'il ait réussi, mais elle est extraordinaire. C'est le couple Joliot-Curie, qui venait d'être récompensé mondialement. Et il avait une commande d'un portrait du couple Joliot-Curie. Donc, il va sur les quais, je crois que c'est quai des Grands Augustins, chez eux. Et tel que je vous la raconte, c'est exactement ce qu'il m'a raconté plusieurs fois. Il me dit, voilà, je sonne. Je savais à quel étage c'était, je sonne. La porte s'ouvre, j'ai fait la photo. Il me dit, ça, c'est pas chez eux, c'est sur le seuil de la porte. Il me dit, j'ai dit, mais tu dis pas bonjour d'abord? Il me dit, non, j'ai commencé. Ils ont ouvert la porte, j'ai vu cette vision
de je ne sais où. Je dis, mais c'était quoi cette vision? Il me dit, cette vision, c'est un tableau de Van Eyck qui s'appelle Les Époux Arnolfini. Il me dit, c'est ça, les Époux Arnolfini, c'était eux. Il me dit, je les avais vus en face de moi. J'ai dit, mais en combien de temps tu as compris tout ça? Un millième de seconde. L'opération s'est faite en un millième de seconde. Et ce n'est pas du tout une reconstruction ou quoi que ce soit. Il me dit, je te jure que c'est ça qui s'est passé. Avoir le choc de se retrouver face aux Époux Arnolfini et je suis Van Eyck. Il me dit, je fais la photo. J'ai dit, bonjour, je suis Henri Cartier-Bresson. Est-ce que je peux rentrer? On a rendez-vous. Il me dit, je suis rentré. J'ai fait 5 photos parce qu'il fallait bien, mais je n'en avais pas besoin. La photo était faite. C'était le contraire d'un mitrailleur, hein. Contrairement à aujourd'hui, il faisait quelques photos. J'ai vu les planches contact, il ne doublait jamais les photos. Il me dit, là, j'en ai fait 4 ou 5, presque pour leur faire plaisir, pour montrer que je suis passé. Mais eux ignoraient que la photo était déjà en boîte dès qu'il était arrivé. Et la photo est admirable, elle est extraordinaire. Une autre commande, Ezra Pound, proscrit, fou, condamné pour apologie du fascisme, hébergé par Peggy Guggenheim à Venise, sa bienfaitrice, qui le recueille parce qu'il est dans la misère, dans l'ostracisme et tout ça. Et Cartier-Bresson doit faire son portrait pour Life. On l'envoie là-bas, il me dit, j'arrive, je me retrouve face à cet homme qui est juste à côté du soleil, enfin qui prend le soleil par la fenêtre chez Peggy, qui est là, qui ne dit pas un mot. Il me dit, je ne lui ai même pas dit bonjour. Je me suis assis à ses pieds. Je l'ai regardé. Il avait un beau regard. Je suis resté une heure. On n'a pas échangé un mot. J'ai fait cette photo. Et je suis parti. Et ça a donné ça. Une photo parmi les plus rares d'Ezra Pound. Chanel, à l'hôtel Ritz, une autre commande, c'est toujours des commandes, les portraits, pour les plus grands journaux. Elle le reçoit, charmant, elle connaissait Cartier-Bresson, etc. Ils avaient plein d'amis en commun. Il me dit, les 10 premières minutes se passent formidablement bien. J'en profite pour faire au moins une photo. C'est celle-là. Du bout de 10 minutes, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai dit, oh, on a connu tellement de gens en commun, Mademoiselle Chanel. Vous avez connu Marie-Louise Bousquet. Comment cette salope ? Il me dit, elle a changé complètement de visage. La séance photo était terminée. C'était terminé. Il me dit, heureusement, j'avais fait celle-là avant. Parce que dès que j'ai prononcé le nom de Marie-Louise Bousquet, elle a explosé et c'était fichu. Et c'est déjà arrivé aussi avec Simone de Beauvoir. Je n'ai pas la photo là, mais il avait photographié Simone de Beauvoir à plusieurs épisodes de sa vie. Et une fois, c'était rue de l'Odéon, devant la librairie l'ex-librairie de Sylvia Beach et Adrienne Monnier. Et il me dit, Simone de Beauvoir était là, elle n'était pas très sympathique. C'était après la guerre, elle n'était pas très sympathique. Je commence à faire une photo ou deux avec le lampadaire derrière. Je lui dis, pourquoi tu as pris le lampadaire comme ça? Il me dit, parce qu'il est aussi dur qu'elle l'était. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, la séance a foiré parce qu'à un moment, elle m'a dit, est-ce que ça va durer longtemps? Et je lui ai répondu, un peu plus que chez le dentiste, un peu moins que chez le psychanalyste. Elle n'a pas du tout apprécié. Il me dit, je suis parti. La séance était fichue. Ça, c'est une photo que j'aime énormément. Je l'ai chez moi parce que je la regarde souvent. Vous avez le nombre d'or, évidemment, à nouveau. C'est Mauriac chez lui à Bordeaux. Vous avez toute la Gironde qui est dans cette photo. Toute la province, titre d'un livre de Mauriac, admirable sur la province. À l'époque, on ne disait pas en région, on disait la province. Et les mains de Mauriac, c'est déjà, tout est dedans, qui sont refermées sur un livre. Et derrière, les photos, les boiseries, les meubles, enfin bon. Pour moi, c'est une de ces grandes photos. Alors là, je passe à autre chose. Le cinéma, ce n'est pas une photo de film, hein, mais c'est une photo qui s'intitule Le bord de Seine. C'est en 1936, c'est les premiers congés payés. C'est une photo qui a une puissance au plan social, qui veut dire énormément de choses, quoi. D'ailleurs, dans tous les manuels scolaires, quand on parle des congés payés, cette photo.
c'est pas un hasard. Ça me permet de parler de son rapport au cinéma, parce qu'en 1936, il hésite un peu entre la photo et le cinéma, alors qu'il a déjà fait des expositions. Il est déjà bien connu, il a fait de très grandes photos, il est déjà publié un peu partout. Il hésite et il veut être assistant de cinéma pour devenir un jour réalisateur. Et il va voir Jean Renoir, il lui montre ses photos et Jean Renoir l'engage. En fait, il engage ce jour-là 3 assistants pour 3 films. Les films, c'est Une partie de campagne, La vie est à nous et La règle du jeu. Ce n'est pas les plus mauvais. Et 3 assistants qu'il engage pour ces 3 films, alors il y en a qui resteront pas, mais enfin les 3 sont engagés en même temps, c'est Cartier-Bresson, Jacques Becker et Luchino Visconti. Et je lui dis, c'est pas mal quand même. Il me dit, oui, mais tu sais, Visconti, c'est un gosse de riche. Hein. Je lui dis, mais toi aussi? Il me dit, non, non. Il me dit, lui, c'est... il se prenait vraiment pour... Il me dit, Visconti, il ne mangeait pas avec nous à la cantine. Il ne restait pas avec nous le soir, on ne le voyait pas. Il avait ses propres amis, aristocrates, etc. Il me dit, c'est un aristocrate. Bon, on ne parlait pas avec lui. Il me dit, ça n'empêche que par la suite, j'ai aimé ses films, mais... Voilà, c'était une rencontre ratée. Il me dit, en revanche, Becker, oui, ça, c'était quelque chose. C'était un grand souvenir. Et donc, il a été assistant de Jean Renoir. C'est pas inintéressant qu'il ait été l'assistant du fils d'un très grand peintre. On n'en sort pas. On n'en sort pas, et c'est ça que ça signifie aussi. Il a même joué un rôle ou deux dans, je crois que c'est dans La vie est à nous, à un moment... On voit des jeunes séminaristes qui passent comme ça et qui regardent une jeune fille dont la robe flotte. Et parmi ces jeunes séminaristes, il y a Henri qui avait plus de 30 ans, mais on dirait un garçon de 15 ans, tellement il fait jeune. Et puis dans La règle du jeu, il est l'un des valets qui s'exprime un peu avec un accent anglais très chic. Il a fait du reportage. Pendant très longtemps, il s'est voulu avant tout reporter-photographe. C'est sa définition. Mais comme reporter-photographe, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé d'avoir un regard décalé. Ce regard décalé, c'est celui du scout qu'il a été dans sa jeunesse et qu'il n'a jamais cessé d'être. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir quel était son totem quand il était scout. Anguille frémissante. Et parfois, il s'était anguille frénétique, je ne m'y suis exactement. Mais c'est lui-même qui me l'a raconté. Et en fait, il a toujours été comme ça. Je l'ai connu à la fin de sa vie, mais ceux qui l'ont connu avant me disent c'est quelqu'un qui ne tenait jamais en place. Et son côté anguille frémissante n'a jamais cessé. René Bury m'avait raconté qu'un jour, ils étaient à Cuba, ils ont fait des photos de Che Guevara et tout ça. Ils ont été dans la rue. On marche dans la rue à Cuba, à La Havane. Et soudain, il me dit, on voit au loin 2 personnes qui s'avancent vers nous, un couple. Oh, c'était extraordinaire. Il me dit, je vais pour eux. Je vois ça. Il me dit, je lui donne un coup de coude. Je lui dis, Henri, je crois qu'on va faire une photo. Et il me répond, mais elle est faite. Il avait fait la photo. Et Bury s'en était même pas rendu compte, tellement ça avait été rapide. Il était descendu. C'est une vraie chorégraphie. Le film de Sarah Moon sur Cartier-Bresson le montre bien. Il est dans la chorégraphie permanente. Il était descendu du trottoir, il avait fait une photo et était revenu. Et personne ne s'en était aperçu. Ni les modèles, ni son ami qui était à côté de lui, qui n'a plus osé faire la photo après, parce qu'il s'est dit, bon, c'est un peu tard. Le regard décalé, c'est ça aussi. On l'envoie en 1937, pour le couronnement du roi George VI à Londres. Il va à Trafalgar Square, tout son reportage, on ne voit pas le roi George VI, il s'en fiche. Il ne regarde que ceux qui regardent. Toutes les photos, c'est sur les gens qui regardent l'événement qu'il est censé couvrir. Et le journal communiste de ce soir, pour lequel il travaillait, a publié ses photos. Et ça ne les a pas gênés, parce que c'était beaucoup plus intéressant de montrer le peuple dans son admiration, dans sa curiosité pour son monarque, plutôt que de montrer le couronnement lui-même. Ça, c'est l'enterrement lui-même, par exemple. Ça, c'est lui. Ça, c'est encore une icône, hein, très connue.
c'est pour vous parler de l'instant décisif. L'instant décisif, c'est devenu presque un cliché, si je puis dire. L'instant décisif, c'est Cartier-Bresson. C'est-à-dire ce que... c'est une phrase donc, qu'il a trouvée dans un livre du cardinal de Ré. Il n'y a rien en ce monde qui n'est un instant décisif. Autrement dit, le kairos des Grecs, le moment, le bon moment, quoi, le moment idoine. Cette photo, très très connue, eh bien, ça illustre parfaitement l'instant décisif selon Cartier-Bresson. Elle a été prise dans le quartier Europe, c'est derrière la gare Saint-Lazare. Nous sommes dans les années 30 ou peut-être juste après la guerre, je ne me rappelle plus, mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été prise par un petit trou dans une palissade. Il marchait dans le quartier Europe, il regarde évidemment à travers la palissade et il voit qu'il y a de l'eau par terre, etc. Et il voit qu'il y a des gens qui font exprès de contourner la flaque pour ne pas se mouiller. Et donc, il se dit, je vais attendre, il se passerait bien quelque chose. Et il attend. Et très vite, il y a quelqu'un qui ne va pas contourner, mais qui se dit, je vais arriver à sauter par-dessus la flaque. C'est lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que il y a une correspondance. Bon, il y a l'ombre sur la flaque, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a une chose que lui n'avait pas vue, qu'il n'avait pas vue. Et que beaucoup de spectateurs de la photo ne voient pas tout de suite. Peut-être qu'elle vous saute aux yeux à vous, mais moi, ça n'a pas été mon cas non plus. C'est la correspondance entre ce danseur, ce monsieur, qui saute par-dessus la flaque, et la publicité qu'il y a au troisième plan. Vous la voyez ? Il y a une silhouette, comme ça. Et il y a une concordance entre les deux silhouettes. Bon. Quand on lui pose la question, Henri répond... J'ai toujours eu beaucoup de chance. Maintenant, allez savoir. Hein. Ça, c'est une... Pardon. Voilà. Ça, c'est une image... Ah, pardon. Je suis allé trop vite. Attends, non, non et non. Bon, je me suis trompé. Voilà. C'est une photo qu'il appelait l'araignée. Il vivait au Mexique pendant presque un an. Dans les années 30, il passait pas mal de temps dans les bordels pour bavarder avec des gens, tout ça. Et il a regardé à l'étage où les prostituées se trouvaient. Il a trouvé ces deux femmes. Il a fait une seule photo, et c'était celle-là, l'araignée. Photo admirable, qui n'a pas besoin d'être commentée. J'allais dire pareil. Giacometti prépare une exposition. Évidemment, Henri va le voir quand il prépare son expo. Le coup de génie, pour moi, c'est l'homme qui marche et l'homme qui marche. Voilà, mais à peine flouté, en plus. C'est ça qu'il faut, c'est tout à fait lui, quoi. Ça se passe de commentaires tellement. Pour moi, c'est évident. Il y en a une autre qui n'est pas dans la série, mais je vous en parle quand même. C'est la mort de Gandhi. Parce que moi, ça m'a toujours frappé. Il me l'a raconté très souvent. La mort de Gandhi, c'est... il était en poste en Asie, Henri, après la guerre, pour Magnum, qu'il avait cofondé avec trois amis. Et il avait choisi l'Asie. Parce que personne n'en voulait. Et puis, un jour, il se dit, bah, tiens, Gandhi, il est en janvier 48, hein, fin 47, début 48, Gandhi, c'est l'homme qui monte, il n'y a pas de doute, en Asie. Donc, il veut faire un reportage sur lui. Et donc, il obtient une audience à Birla House, qui est la maison où habitait Gandhi à New Delhi. Il obtient une audience et il se dit, non pas pour faire des photos, mais pour lui montrer ce que je peux faire. Et donc, il va le voir. Il dit, voilà, je fais des photos, etc. Et il apporte un portfolio où il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, de photos prises par lui, etc. Et puis, Gandhi dit, ouais, très bien. Et puis, à un moment, il s'arrête devant une photo où on voit un village en France, un château en second plan, et au premier plan, un monsieur de dos,
un grand bourgeois qui enlève son chapeau, manifestement, devant le passage d'un corbillard tiré par des chevaux. Magnifique. L'image est magnifique. Et alors, Gandhi dit, « What is it ?» Et Henri lui répond, « This is one of... C'est un des plus grands poètes français, Paul Claudel, catholique. » Et voilà, c'est le château de Brangues. Et puis, dans son village, il y a un mort, donc, par respect. Et Gandhi met le doigt dessus, dit, « Ah, death, 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 la mort, la mort, la mort. » Et puis, il continue à regarder les photos. Et quand il a fini de regarder le portfolio, Gandhi reprend, ouvre, et retrouve la photo de Claudel. Death, la mort. Et il lui dit, revenez demain, on fera les photos. Et Henri sort. Au moment où il enfourche son vélo, il parcourt quelques... Il va au bout de la rue. Il arrive au bout de la rue, il voit que beaucoup d'Indiens se mettent à courir dans l'autre sens, comme des fous. Et il ne sait pas ce qui se passe, mais enfin, il est reporter, donc il va vers l'événement. Donc il retourne son vélo et il reparcourt toute la rue en suivant le mouvement de la foule. Et là, ça aboutit à Birla House, et là, on apprend que Gandhi vient d'être assassiné. C'est-à-dire qu'il est le dernier occidental à avoir vu Gandhi. Ben, il me dit, tu vois, ça, c'est ça la chance. Je dis, oui, enfin la chance. Tu as été le voir, tu étais en Asie, tu as été là-bas. Tu... Il me dit, oui, mais la chance, c'est que je n'avais pas prévu. Je n'avais pas prévu ce qui allait se passer. On va écouter maintenant un autre texte. Photographier, c'est retenir son souffle quand toutes nos facultés se conjuguent devant la réalité fuyante. C'est alors que la capture de l'image est une grande joie physique et intellectuelle. Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. En ce qui me concerne, photographier est un moyen de comprendre qui ne peut se séparer des autres moyens d'expression visuelle. C'est une façon de crier, de se libérer, non pas de prouver ni d'affirmer sa propre originalité. C'est une façon de vivre. La photographie fabriquée ou mise en scène ne me concerne pas. Et si je porte un jugement, ce ne peut être que d'ordre psychologique ou sociologique. Il y a ceux qui font des photographies arrangées au préalable et ceux qui vont à la découverte de l'image et la saisissent. L'appareil photographique est pour moi un carnet de croquis, l'instrument de l'intuition et de la spontanéité, le maître de l'instant qui, en termes visuels, questionne et décide à la fois. Pour signifier le monde, il faut se sentir impliqué dans ce que l'on découpe à travers le viseur. Cette attitude exige de la concentration, une discipline d'esprit, de la sensibilité et un sens de la géométrie. C'est par une grande économie de moyens que l'on parvient à la simplicité d'expression. On doit toujours photographier dans le plus grand respect du sujet et de soi-même. En général, les écrivains n'aiment pas trop dire, n'aiment pas payer leurs dettes. Ils n'aiment pas exprimer leur gratitude parce qu'ils pensent que quand ils disent « je dois à James Joyce ou à Proust », il régresse en disant ça, alors qu'au contraire, je trouve qu'on se grandit en payant ses dettes à des aînés ou glorieux ou à ceux qu'on admire. Moi, je dois beaucoup à Cartier-Bresson. Nous avons eu 10 ans d'amitié jusqu'à sa mort, et je dois dire que j'y pense très souvent. Voilà. Et si je devais résumer ce que je lui dois, je le ferais en 3 phrases. Parce qu'il m'a légué 3 phrases. Il les a léguées à tout le monde. Hein. Mais moi, il les a expliquées, il me les a commentées, et puis je les ai retenues, parce qu'elles m'ont marqué. Ce sont des phrases qui sont des réflexions qui engagent beaucoup plus qu'une phrase. La première, c'est une question. De quoi s'agit-il ?
Il y a eu une exposition ici à la BNF, il y a un certain temps déjà, grande expo, faite par Robert Delpire, magnifique, sur Cartier-Bresson. Et je crois me souvenir que l'exposition s'intitulait « De quoi s'agit-il ?» Et c'est une phrase typique d'Henri Cartier-Bresson. Chaque fois, il me disait « Demande-toi de quoi s'agit-il ?» Alors, chaque fois qu'on allait dans des expositions, et on en a vu beaucoup ensemble, parce qu'on adorait ça, exposition à la fois de peinture, bien sûr, mais même de photos, il m'a appris à ne jamais me précipiter pour lire le cartouche. Il me disait, quand tu rentres dans une salle de musée ou de galerie, balade-toi, laisse-toi impressionner. S'il y a quelque chose, une œuvre qui t'attire, tu te mets en face et tu te laisses emporter par elle. Mais ne te demande pas de quoi s'agit-il dans le sens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que je suis en train de regarder? Qu'est-ce que ça décrit? Non, de quoi s'agit-il? L'émotion qui est la mienne, ce qui me frappe face à cette œuvre d'art, pourquoi elle me parle à ce point, pourquoi le peintre m'explique à moi ce qui se passe. J'ai compris ça une fois où j'étais sans lui, à une exposition qu'il aurait adorée, à Jacques Marandré, au Luxembourg, le jardin du Luxembourg, une exposition d'impressionniste, et c'était le tableau de Claude Monet, Terrasse à Sainte-Adresse. Bien, c'est un tableau que je connais depuis longtemps, qui m'émeut. Quand je l'ai vu enfin pour de vrai, j'ai su pourquoi j'aimais tant Proust. Parce que tout Proust est dans ce tableau. Toute la recherche du temps perdu est contenue dans Terrasse à Sainte-Adresse. Et surtout, j'ai compris une chose qu'il essayait de m'expliquer confusément, mais je l'ai enfin touché du but ce jour-là. Une grande œuvre d'art, quelle que soit l'œuvre, quel que soit l'art en question, une grande œuvre, c'est cette chose qui vous explique ce qui vous arrive mieux que vous ne sauriez le faire. À un moment précis de votre vie, cette œuvre vous parle. La Terrasse à Sainte-Adresse de Claude Monet, je l'ai vue 100 fois, mais dans différentes occasions, reproductions ou autres. Mais là, isolé, ce jour-là, sur ce pan de mur, vu l'état qui était le mien à ce moment-là, avec mes propres problèmes, etc., cette œuvre ne me parlait qu'à moi et m'expliquait à moi ce qui m'arrivait mieux que je n'aurais jamais su le faire. De quoi s'agit-il? C'est ça que ça veut dire. Se demander toujours de quoi s'agit-il, ne jamais se précipiter sur le cartouche pour avoir une explication. Parce que ce n'est pas réductible à une explication, l'œuvre d'art, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de réponse. L'instant est sa propre question et en même temps sa réponse. Deuxième phrase qu'il m'a léguée et qui est pour moi devenue un réflexe naturel, d'où vient l'argent? D'où vient l'argent? La première fois qu'il m'a dit ça, on se baladait rue de Rivoli, en bas de chez lui, et il y avait, je ne sais pas si c'est une Rolls ou une Bentley, mais conduite par quelqu'un d'assez jeune. Il me dit, c'est étonnant quand même, comment on peut acheter une bagnole pareille à cet âge-là? D'où vient l'argent? Je lui dis, mais tu dis toujours ça, d'où vient l'argent? Il me dit, parce que ça ne m'a jamais quitté depuis l'âge de 12 ans. Je lui dis, mais ça devient d'où? Il me dit, quand j'avais 12 ans, il y avait plein de scandales financiers, etc., en France. Et un jour, l'Écho de Paris avait fait cette manchette, d'où vient l'argent? Il me dit, j'ai découpé, je l'ai collé sur la glace de le miroir de ma chambre chez mes parents. Et cette phrase ne m'a jamais quitté. Et à chaque fois que je vois le spectacle de la richesse quelque part, je me demande d'où vient l'argent? Est-ce que ça vient de l'exploitation, du vol, de la corruption, peut-être du gain, tout simplement, du gain honnête et loyal? D'où ça vient? Et il me dit, si tu te poses cette question, tu verras que tu avanceras dans la vie de manière beaucoup plus saine. Et il avait raison. Et la dernière chose, ce n'est pas une question, c'est une affirmation, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. C'est-à-dire une vraie vision du monde. Et quand vous voyez ces photos, vous comprenez à quel point il a un sens de la composition, de l'équilibre des formes, à quel point c'est fondamental d'équilibrer les formes, de travailler l'espace d'une certaine façon. Cette phrase, que nul n'entre ici s'il n'est géomètre, figurée au fronton de l'Academia de Platon. Et ça ne l'a jamais quitté. Et effectivement, dans la plupart de ces photos, si on sait les voir,
Ce sont des photos de géomètres dans le meilleur sens du terme. J'aurais pu en prendre un certain nombre. J'ai choisi, alors il y a celle-ci, bien sûr, qui est à Harlem. Et là encore, vous avez entre le visage de cette dame, dans sa fenêtre, on dirait un théâtre. C'est un théâtre de marionnettes. Mais entre son visage et en bas à gauche, il y a une diagonale, toujours à diagonale, qu'on retrouve dans beaucoup de tableaux, bien sûr. Et ça, je l'ai choisi parce que c'est une photo qui m'émeut énormément. Ce sont les funérailles de l'acteur Danjuro, qui est un acteur du kabuki japonais, à Tokyo en 1965. Et je la trouve... voilà, elle est séparée en deux par ce calico. C'est une chorégraphie. Voilà, je n'ai même pas envie de vous dire pourquoi cette photo me bouleverse et pourquoi je la trouve extraordinaire. On arrive dans la dernière partie. Henri Cartier-Bresson, moi je l'adorais, je l'aime toujours d'ailleurs, je l'adorais, ça n'empêche pas de voir les défauts. Je pense à ses défauts sur le plan humain. Et c'est quelqu'un qui n'avait pas un caractère facile. Il ne l'a jamais exercé à mes dépens. Mais je sais qu'il pouvait faire souffrir des gens. Il pouvait être cruel. Souvent, des gens, des jeunes photographes ou autres, voulaient lui montrer leur travail. Un jour, il me dit « Reste, il y a un type qui vient, ça m'emmerde, reste. » Bon. Et je vois un jeune photographe, très timide, le rouge au front, qui vient avec son portfolio. « Est-ce que je peux vous montrer quelques photos? Je voudrais avoir votre avis et tout. » Alors, Henri dit « Asseyez-vous et montrez, sortez ça. » Alors, il montre. Et Henri prend n'importe laquelle, qui est un tirage 30-40. Il le prend, c'était un paysage. Il le retourne, il le met à l'envers. Et il dit au garçon, ça dégouline de partout, ça vaut rien, c'est de la merde. Désolé. Et le garçon est reparti, comme ça. Et je lui dis, c'est cruel. Hein. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Que je l'encourage? Il me dit, non, c'est pas bon. Il me dit, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Vous allez à un mariage, tout le monde fait des photos. Sauf les mariés, c'est vrai. Et encore, il n'avait pas connu notre époque, qui est pire. Mais déjà, à son époque, c'était comme ça. Donc, il pouvait être cruel. J'ai failli en subir des conséquences, parce que bon, pendant ces 10 années, au bout de 2-3 ans, je lui ai dit un jour, tu sais, je vais faire ta biographie. Il me dit, je ne veux pas savoir. Je ne lis pas de biographie. Je lis beaucoup de choses, mais pas de biographie. C'est ton problème. Et il savait pertinemment que je la faisais. Parce que régulièrement, je lui demandais des renseignements. Et puis, il m'a donné accès à sa correspondance qui, à l'époque, n'avait été vue et classée par personne. Elle était dans une grande valise, pleine d'étiquettes de voyage. Et il y avait des milliers de lettres avec les enveloppes. Lettres avec ses parents, avec ses amis et tout ça. Bon, depuis, tout a été rangé. Mais à l'époque, c'était... Donc, cette valise était sous son lit. Il m'a dit « Démerde-toi ». Et j'ai passé plusieurs jours à lire ça. Puis après, il m'a donné l'autorisation, qui est un grand privilège, d'aller passer une semaine ou deux chez Magnum à voir ses planches contact. Il me dit toujours « Les planches contact, on n'a pas à les montrer. C'est la cuisine du photographe, ça ne concerne que lui. » Je dis « Oui, mais moi, j'ai besoin de savoir ce que tu faisais avant, monsieur. » Enfin bon, bref. Il me dit « D'accord, vas-y. » Et donc, j'ai passé du temps et surtout... J'ai eu l'autorisation de photocopier toutes ces légendes, car il faisait les légendes de toutes ces photos, en anglais notamment, quand il était correspondant en Asie ou ailleurs. Et donc j'ai pu avoir accès à tout ça. Et un soir, alors que j'étais en train de finaliser l'écriture de ma biographie, ce qu'il savait parfaitement, vers minuit, je reçois un coup de fil. Oui, c'est Henri. Dis donc, je sors d'un cocktail, là. Oui. Et alors, eh bien... J'ai bavardé avec mon copain Roger Théron, tu sais. Je lui dis oui, patron de Paris Match. Et alors, tu sais ce qu'il m'a dit? Il paraît que tu fais une biographie sur moi. Je lui dis, bah oui, mais ça fait des années qu'on en parle. Hein. Il me dit, mais tu ne vas pas écrire une biographie? Je lui dis, mais si. Si, bien sûr. Il me dit, ah non, mais je peux pas, c'est pas possible. Hein. Il me dit, écoute, c'est simple, tu fais ce que tu veux. Mais si tu la publies, tu me tues. Tu me tues parce que je peux pas imaginer ça. Allez, bonne nuit.
Et j'étais dévasté. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, j'ai appelé Marie-Thérèse Dumas, son assistante, et puis Martine Franck, et les deux m'ont dit, t'inquiète, tu connais Henri, il est un peu pervers de temps en temps, il va oublier, continue, écris ton livre et te préoccupe pas de tout ça. Et donc j'ai été plus loin, et quand la biographie est parue, le tout premier exemplaire, je lui ai dit, je viens prendre un café chez toi, j'ai un truc à te donner, et je lui ai apporté le livre que je vais dédicacer. Et après, il a regardé. Je lui ai donné un autre exemplaire. Je lui ai dit, tiens, dédicace-moi ta vie. Alors, il m'a dédicacé sa vie. Puis, il a caressé le livre. Et il s'est levé. Il m'a dit, dans mes bras. Il m'a embrassé. Il me dit, maintenant que tu m'as tiré le portrait, je vais peut-être pouvoir te tirer le portrait. Il me dit, qu'est-ce que tu préfères, dessin ou photo? Bon. Mon choix a été fait. En même temps, quelques jours avant, je me souviens que je l'avais vu rentrer d'une commande que Libération l'avait faite pour un portrait en dernière page de Roger Théron, justement. Ils avaient eu la bonne idée de se dire, tiens, on va demander à son ami Cartier-Bresson. Mais ils avaient eu la mauvaise idée de lui dire, on va vous confier un appareil numérique. Parce que c'est nouveau, et maintenant c'est différent, tout le monde fait du numérique et tout ça. Et il m'a dit, je vais faire l'essai. Et là, il était rentré de ce reportage, de ce portrait, dévasté en disant « Mais c'est de la merde. Ces appareils numériques, c'est de la merde. Ça vaut rien, j'en veux pas. » Mais il avait fait la photo et j'ai vu le résultat. Et c'était vraiment mauvais. Sa photo était mauvaise. Ce n'était pas son instrument du tout. Je lui ai dit « Écoute, je préfère un portrait photographique. » Il me dit « D'accord. » Et puis là-dessus, on se met à parler. Il a oublié. Il a oublié de faire la photo. Et moi, à ce moment-là, je me suis rappelé une chose, c'est que quand on avait été à Budapest, après la conférence que j'ai faite devant lui, il m'a dit, il faut absolument que je te montre l'étage des Goya. Je veux que tu vois quelque chose. Et là, j'ai récupéré mon appareil photo et la directrice de l'Académie des Beaux-Arts et du Musée des Beaux-Arts a eu la gentillesse de faire fermer toute l'aile, pour nous laisser juste nous là-bas. Et il m'a amené devant un tableau. Il a ouvert sa canne-siège et il s'est assis en face d'un tableau comme ça, pas très grand, les duellistes de Goya, deux hommes qui se battent dans une sorte de vaste terrain vague, les montagnes en second plan. Il me dit, voilà, ça c'est exceptionnel. Ah, je lui dis oui, effectivement. Et il s'assoit et il me dit, je ne peux pas m'empêcher. Et il prend son calepin et il se met à copier, à dessiner. Et là, je le regarde faire ça. Je vois en second plan, il y avait des Velázquez immenses en second plan. Et une lumière zénitale qui était parfaite. C'était bon. Et je prends mon Leica que j'avais avec moi, je lui dis, ça t'embête pas? Il me dit, mais oui. Et j'ai eu le privilège extraordinaire de faire une quinzaine de photos de lui. Et au moment où je l'ai fait, au moment où il regarde ces Goya qui il est très ému, il a une larme qui coule. Bon, je tenais pas à me croire, mais quand je suis rentré à Paris, dans l'avion, j'ai rembobiné. Et là, je me suis rendu compte que les dents de la pellicule n'avaient pas accroché. Et alors, quand je le revis à Paris, je lui dis, tu sais quoi? Les photos que j'ai faites de toi, elles sont là, mais je sais qu'elles sont extraordinaires, parce que personne n'a fait des photos de toi devant des Goya, avec cette lumière, avec cette larme, avec ceci. Et les dents n'ont pas accroché, les dents de la pellicule. Et il me dit, tu as bien fait de choisir la littérature plutôt que la photo, finalement. J'ai dit, oui, effectivement. Et il me dit, tu es triste? Je dis, oui, je suis triste, je suis dévasté. Il me dit, mais quelle importance? Rappelle-toi, toi-même, à Budapest, hier, tu as dit, la photo, c'est cosa mentale, on n'a pas besoin d'appareil. Donc, quelle importance, les photos, tu les as là? Et effectivement, je les ai là. On va conclure très vite.
Mais il y avait un texte. Bref, je l'ai déjà, on l'a déjà dit peut-être. Non ? On peut ? Il est bref ou pas ? Oui, il est bref. Juste quelques minutes et je conclue. La ségrégation dont la photographie fait l'objet, le ghetto dans lequel ce monde de spécialistes l'a placé, me choque. Les photographes, les artistes, les plasticiens. Où on a un sens plastique, où on a une pensée conceptuelle. Que les uns préfèrent un truc à l'autre, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'être dans la vie. Capter l'instant dans sa plénitude. La pensée seule ne m'intéresse pas. La photographie est un métier manuel. Bouger, se déplacer. Le corps et l'esprit ne doivent faire qu'un. Petite parenthèse. Malgré les désagréments, ce fut utile à un jeune bourgeois surréalisant, durant les 3 ans de sa captivité, de faire des travaux manuels, bourrer des traverses de chemin de fer, travailler dans des cimenteries, des usines de vilebrequin, laver la tambouille dans d'énormes casseroles en cuivre, faire les foins. Et tout cela avec une seule idée en tête, l'évasion. Il a été un évadé perpétuel. Là, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était une photo en Inde en 1948. Là, c'est New York, Downtown, 1947. Pourquoi je l'ai choisie ? Parce que je la trouve très forte, très belle. Et puis parce qu'à la fin de sa vie, un soir, il n'avait pas le moral. Alors, il est venu dîner avec Martine à la maison. Et je voyais qu'il n'avait pas le moral. Il ne faisait pas d'humour ni rien. Enfin bon. Et il voit cette photo dans un livre qui lui est consacré, qui était sur la table basse. Et il prend le livre, il voit la photo et il écrit dessus avec le souvenir amical du chat. Et voilà, et puis je lui dis, mais t'as l'air triste. Il me dit, c'est pas ça, je ne suis pas très, très en forme. Je sentis qu'il y avait quelque chose. Et là, j'ai compris qu'il était un peu déprimé. Il m'avait toujours dit, je sais quand je mourrai. Je lui dis, mais comment tu sais ça ? Il me dit, parce que quand j'avais 22, 23 ans, la mère de mon ami Pierre Colle, qui était une dame qui lisait entre les mains et qui était très connue dans notre milieu amical, copain et tout ça. Et elle me dit un jour, je suis allé la voir et elle m'a dit, vous vous marierez une première fois avec une femme venue d'un autre continent et qui a d'autres origines que vous. Et ça allait être une danseuse balinaise. Et ça s'est donc passé comme ça. Et vous vous marierez une deuxième fois avec une personne de votre condition. Ça serait Martine Franck. Et je dis, et après, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle me dit, et après, elle m'a dit comment je mourrai. Je dis, mais dis-moi. Elle me dit, non, j'en ai jamais parlé à personne. Et Martine Franck m'avait dit, même à moi, sa femme, il n'a jamais dit comment on lui a annoncé qu'il mourrait un jour. C'était donc à 22-23 ans, et à la fin de sa vie, il avait plus de 90 ans. Et quelques semaines, même pas, après ce dîner, sombre, triste, mélancolique, il est mort. Et là, j'ai demandé à Martine comment il est mort. Elle m'a dit, il est mort comme il a toujours su qu'il mourrait, très âgé, en se laissant mourir. Ils étaient dans le Luberon. Il a décidé de ne plus s'alimenter, de ne plus boire, parce qu'il en avait marre d'aller aux enterrements de ses amis. Et il s'est laissé mourir, il s'est laissé partir. Ça s'est terminé comme ça, mais on va quand même terminer sur une note gaie, parce que voilà, il m'avait envoyé ça. Et bon, j'ai plein de cartes postales de lui, mais celle-là, avec marqué ça, sa signature à lui, qui est la signature du surréaliste Henri Cabré. C'était lui, il aimait faire ça, comme ça, parler d'amitié, et m'envoyer cette image, ces doubles cercles qui me touchent beaucoup, celui du Solex et celui que la dame derrière. C'est un tout, ça c'est lui. Toujours cette note d'ironie, et si on pouvait, ben, on terminerait par son rire. Voilà, merci.